Bonjour à tous, bienvenue sur ce micro-tuto sur Cinema 4D. Nous allons voir un outil de Cinema 4D qui est très peu utilisé, que moi j'ai utilisé justement sur ma porte science-fiction, et ben, qu'il est très 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 utile. On va le voir de suite. Déjà, vous voyez, bon, j'ai fait une maison ici, admettons, voilà, tac. Voilà. Et je vais poser par exemple ici, je vais mettre, je sais pas moi, un polygone. Donc, pour le placer, il faut que je vienne là, ici. Faut que je prenne ici. Tac. Voilà. Ces positions, taille, on s'en fout. Rotation, je sais pas. Voilà. Donc, il va falloir mettre ce polygone ici à plat dessus. Calvaire, quoi. Allez, soup, boum. On arrête les conneries. Je vais prendre mon cube. J'ai sélectionné celle-ci. Et ici, je vais aller dans Outils, Plan de travail. Donc, j'ai cliqué là. Voilà. Et ici, Aligner le plan de travail à la sélection. J'afficherai la grille, ça irait beaucoup mieux. Déjà, on voit les gizmos, bah, ils sont là. Filtre grille. Regardez. La grille, elle est là. Que sa place, logiquement, elle est là. Celle en blanc, c'est sa place d'origine. Vous voyez, elle est là. Donc, du coup, bah, si je prends ici polygone. Ben voilà, il s'est mis correctement sur mon plan, comme je voulais. Là, si je fais par exemple une extrusion, voilà. Et voilà qu'il y est. Donc pour le remettre, hein, aligner sur le plan de travail sur Y, boum, il revient à sa place. Ok. Donc on peut le faire aussi hein, sur X. Voilà. Vous voyez? Tac. Donc là, ben, c'est plus sur la sélection. Hein. Sur Z. Donc je vais remettre sur Y. Aligner la sélection au plan de travail. Ben non. C'est con. Si je prends ici mon cube, on verra mieux. Ah, voilà. Bon, oui, ça peut être utile pour certains trucs, je pense, mais là, je vois pas trop l'intérêt. Il y est, c'est qu'il doit servir certainement à quelque chose de beaucoup plus de plus valable quoi qu'une sélection comme ça, je pense, donc à voir. Ok. Parce que là, je vous ai dit que je fais pour la fenêtre, tac, pouf, je vais prendre là. Vous voyez, ici, admettons, j'ai un câble à mettre ici, là-bas. Sur cette porte ici qui passe derrière, donc j'ai une gaine à passer. Donc pour aller au plus près, je vais prendre cette sélection là. Je vais aller dans Outils, Plan de travail, hop, à sélection. Bon là, je vais mettre quand même aussi. Tac tac tac. Je suis parti où moi? Filtre gris et balayé. Tiens, c'est bizarre. Ok. Donc outils, plan de travail, aligner la sélection. Non, bah, la grille elle est pop. Ah si, elle y est. J'ai choisi le mauvais polygone. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et puis bah, là, par exemple, c'est juste un cylindre que j'ai besoin. Paf. Et puis il va se mettre comme il faut là où j'ai demandé. Et j'ai plus qu'à changer son plan. Non, c'est plutôt l'autre côté. Et ben voilà, je vais y arriver. Voilà. Voilà, donc j'y suis. Hop. Je vais mettre à la taille que j'ai besoin. Comme ça, je vais pouvoir continuer tranquillement mon petit train-train ici. Voilà. Ok. Donc voilà, un outil très sympathique et qui peut être très utile pour la modélisation. Ok, je
Je vous remercie d'avoir suivi ce micro-tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.